Le chat Ragdoll est une race de chat connue pour sa taille impressionnante, son allure majestueuse et son caractère doux. Apparence physique. Les Ragdoll sont des chats de grande taille et de corpulence robuste. Les mâles adultes peuvent peser entre 5 et 9 kg, tandis que les femelles pèsent généralement entre 4 et 6 kg. Leur pelage est semi-long, soyeux et sans sous-poil excessif. Ils ont une large tête en forme de coin arrondi, de grands yeux ovales de couleur bleue ou bleu-vert, ainsi qu'une petite bosse au niveau du nez appelée « stop ». Marques distinctives. Les Ragdoll sont souvent caractérisés par leurs motifs de couleurs. Ils peuvent avoir des couleurs variées telles que le cil, le bleu, le lilas, le chocolat, le crime, le raid, le tortille, le lynx, le mitaide, le point, etc. Les points colorés, tels que les oreilles, le museau, les pattes et la queue, sont plus foncés que le reste du corps. Certains Ragdoll présentent également des marques blanches sur leurs pattes, leur poitrine et leur visage. Les Ragdoll sont souvent décrits comme des chats doux, affectueux et dociles. Ils sont connus pour leur nature calme et leur tendance à se détendre complètement lorsqu'ils sont pris dans les bras, d'où leur nom, Ragdoll, qui signifie « poupée de chiffon » en anglais. Ils sont généralement sociables et s'entendent bien avec les autres animaux de compagnie et les enfants. Les Ragdoll sont également réputés pour être intelligents, ce qui facilite leur apprentissage de certains tours ou commandes. En ce qui concerne l'entretien, les Ragdoll nécessitent un brossage régulier pour maintenir leur pelage en bon état. Ils perdent généralement moins de poils que d'autres races à poils longs. Il est également recommandé de nettoyer leurs yeux et leurs oreilles régulièrement, ainsi que de leur offrir une alimentation équilibrée et suffisamment d'exercice pour maintenir un poids sain. Il convient de noter que les descriptions peuvent varier légèrement d'un chat Ragdoll à l'autre, car chaque individu a ses propres caractéristiques distinctives en fonction de sa lignée et de sa généalogie. Origine. La race Ragdoll a été développée dans les années 1960 en Californie, aux États-Unis. Une éleveuse nommée Anne Baker a croisé un chat blanc de type Angora nommé Josephine avec plusieurs autres chats, ce qui a donné naissance à des chatons aux traits uniques. On pense que les Ragdoll descendent d'un mélange de chats persans, birmans et birmans. Taille. Les Ragdoll sont connus pour leur grande taille et constituent l'une des plus grandes races de chats domestiques. Il leur faut généralement environ 3 à 4 ans pour atteindre leur pleine taille et leur poids. Ils ont une structure corporelle robuste avec une poitrine large et des muscles bien développés. Les Ragdoll sont généralement sociables et s'entendent bien avec les autres animaux de compagnie, y compris les chiens. Ils sont généralement bons avec les enfants et peuvent bien s'adapter à différentes situations de vie. Les Ragdoll ne sont pas connus pour être trop vocaux, mais ils peuvent être très communicatifs et parler à leurs propriétaires avec des miaulements doux et doux. Dans l'ensemble, les Ragdoll sont considérés comme une race relativement saine, sans problème de santé spécifique lié à la race. Cependant, comme tout chat, ils peuvent être sujets à certaines affections telles que la cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque, et la maladie polykystique des reins. Les éleveurs responsables effectuent des examens de santé pour minimiser le risque de ces maladies héréditaires. N'oubliez pas que les Ragdoll individuels peuvent avoir des personnalités et des traits uniques, C'est donc toujours une bonne idée de passer du temps avec un chat en particulier ou de consulter un éleveur réputé pour en savoir plus sur ses caractéristiques spécifiques. Vous pouvez choisir de nourrir votre ragdoll avec de la nourriture sèche, croquette, et ou de la nourriture humide, boîte ou sachet. Les deux options peuvent convenir, mais il est important de s'assurer que la nourriture contient des ingrédients de qualité et répond aux besoins nutritionnels spécifiques des chats. La reproduction des ragdolls est une question qui doit être abordée avec soin et sérieux. La reproduction de chats doit être entreprise par des éleveurs responsables et dans le respect des bonnes pratiques. Les ragdolls ont un pelage semi-long qui nécessite un brossage régulier pour éviter les nœuds et les mèches de poils. Il est recommandé de les brosser au moins une fois par semaine, voire plus fréquemment pendant les périodes de mue. Utilisez une brosse appropriée pour les chats à poils longs afin d'éliminer les poils morts et de garder leur pelage doux et soyeux. Soin des yeux et des oreilles. Les ragdolls peuvent être sujets à l'accumulation de sécrétions oculaires. Nettoyez délicatement leurs yeux avec un chiffon doux et humide pour éliminer les débris et les sécrétions. Vérifiez également leurs oreilles régulièrement et nettoyez-les si nécessaire, en utilisant un produit spécifique recommandé par votre vétérinaire. En suivant ces conseils d'entretien, vous contribuerez à maintenir votre chat ragdoll en bonne santé, tout en renforçant le lien avec lui grâce à des moments de toilettage et de soins attentifs.